L'orgue Merklin de l'église de la Rédemption a été construit en plusieurs étapes entre 1877 ou 78 et 1900. C'est tout d'abord un petit instrument de 18 registres, 2 claviers et un pédalier, construit par Joseph Merklin et installé dans le cœur de l'église. Transféré ensuite dans la nouvelle tribune du transept, il a été progressivement augmenté jusqu'à avoir 45 registres. Son inauguration a eu lieu en février 1900. La façade du buffet est en chêne massif. Elle est ornée de riches sculptures. On peut voir ici des détails de cette façade avec des culs de lampe. Le style est néo-gothique, tout comme l'architecture de l'église, dessinée par l'architecte lyonnais Benoît. La façade contient des principaux de 16-8 du grand orgue. On peut voir sur la console la plaque de la manufacture de grandes orgues et harmoniums Charles-Michel Merklin, à Lyon, au 11 rue Vendôme. C'est en effet Joseph qui a commencé l'instrument, mais à la séparation de la société en 1894, c'est son gendre Charles-Michel qui a terminé l'instrument jusqu'à son inauguration en février 1900. Joseph Merklin était paroissien de la Rédemption, la rue Vendôme se situant juste derrière. À ce titre, il a contribué fortement sur ses finances propres à l'édification de cet instrument. L'instrument comporte 3 claviers, un pédalier et 2 boîtes d'expression pour le positif et le récit, ainsi que de nombreuses pédales de combinaison d'appel d'anche, comme il est de mise sur ses instruments symphoniques. Le banc à lyre est typique de la manufacture Merklin. On voit ici la mécanique de la console. Les panneaux ont été enlevés à l'arrière, avec les accouplements et le tirage de jeu mécanique des pédaliers grand orgue et récit. Le tirage est pneumatique au positif, du fait que le positif installé avant 1900 ne possédait pas de machine Barker comme les autres claviers, mais fonctionner avec le système expérimental électrique Schmele & Mols, cher à la manufacture Merklin. C'est en 1936 que les machines Barker ont remplacé ce système électrique que les organistes jugeaient peu fiable. On voit ici les rhodoïdes qui, malheureusement, dans les années 1956, ont remplacé les porcelaines originales. Nous nous trouvons à présent dans la pièce qui jouxte la console et où se trouve la soufflerie de l'instrument. On peut y voir les deux grands réservoirs à plis parallèles que relient des gosiers et les anciennes pompes à pied qui sont encore fonctionnelles et qui nécessitait, on le pense, beaucoup d'énergie de la part des personnes qui étaient chargées de pomper l'air nécessaire à alimenter ce grand instrument. Un moteur électrique a été installé en 1919, libérant les valeureux pompeurs de leur travail ingrat. On peut admirer en haut du réservoir supérieur une série de porte-vents de grosse taille qui conduisent le vent des réservoirs au réservoir secondaire situé à l'intérieur du buffet de l'instrument. Nous nous trouvons à présent dans le buffet pour contempler la tuyauterie du grand orgue.
On constate que la tuyauterie est encore en très bon état. Au premier plan, les hanches du grand orgue, clairon 4, puis trompette et bombarde de 16. À l'arrière, on peut voir les petits tuyaux 9 de la cymbale de 4 rangs, puis la flûte douce de 4, la flûte harmonique de 8, le salicional, le bourdon de 8, le prestant de 4, le bourdon de 16, bouché et en bois dans le grave, et derrière la doublette, puis la façade de l'instrument par l'arrière, montre 16 et montre 8. Là-haut, la fourniture a été postée sur un sommier pneumatique par le facteur d'orgue René Nicole dans les années 70-80. On voit ici, après les tuyaux bouchés du bourdon de 16, l'aigu de la doublette, et l'aigu de la montre de 16 derrière la façade, ainsi que ces tubes de plomb qui emmènent l'air jusqu'au tuyau posté de la façade. À gauche, le prestant 4, le bourdon 8, le salicional, la flûte harmonique de 8 avec ses grands tuyaux dans l'aigu, la flûte de 4 douce, la cymbale 9 et à nouveau les hanches. Nous nous trouvons à présent dans la boîte du positif, avec au premier plan la voix humaine qui était auparavant au récit. Le chromorne juste derrière, la fourniture 4 rangs, la tierce, le flageolet de 2, le nasard, la flûte conique de 4, le diapason de 8, sur l'un de ces tuyaux, on peut voir une étiquette d'origine, et à l'arrière encore, caché, le gamshorn de 8, l'octave de 4, le cor de nuit, et le quintaton de 16, rajouté en 1929, 30, 31. Voici ici l'intérieur de la boîte du récit, avec les jeux d'anches au premier plan, clairon de 4, basson au bois de 8, trompette de 8, à l'arrière-plan se situe le plein jeu de 4 rangs, puis le principal de 4, la flûte d'écho de 4, la voix céleste, le bourdon de 8, la gambe de 8, la flûte creuse de 8. À l'intérieur de la boîte du récit, au-dessus du sommier mécanique, Michel Merclin et Kuhn a installé en 1956 un sommier de récupération pneumatique sur lequel ont été installés divers petits jeux de mutation, piccolo, larigot, tierce, cornet 5 rangs, quart de nasard et quinte. On peut voir ici un anti-secousse et le tirage de jeu du grand orgue. Et les machines Barker du récit. Différents porte-vents, un autre anti-secousse, des tuyaux de pédalier postés,
et en dessous l'abrégé du pédalier, en dessous de la tuyauterie. Les équerres et vergettes du récit, avec ses réservoirs. Les machines barquaires du récit et un côté du pédalier. Les machines barquaires ont été refaites, remises en pot dans les années 80 par René Micoll. L'instrument comporte assez exceptionnellement 5 machines barquaires. Une pour le grand orgue, une pour le positif installé en 1936, une pour le récit et deux pour le pédalier des deux côtés. On peut voir sur cette séquence les réservoirs et gosiers du positif qui sont en très mauvais état, comme l'ensemble des réservoirs et de la partie de la soufflerie du grand orgue. On voit ici au fond dans la pénombre les machines barquaires du positif et au premier plan, l'autre côté, les machines barquaires du pédalier. On voit ici les machines barquaires du grand orgue ainsi que les vergettes dans leur peigne. Malgré les interventions successives, l'orgue de la Rédemption demeure un beau témoin de la facture symphonique de Joseph Mertlin. Il est actuellement entièrement muet et est à restaurer intégralement. Nous espérons que la ville de Lyon prendra conscience de la nécessité de faire les travaux nécessaires afin de redonner à ce magnifique instrument toute la place qu'il aurait occupée dans le patrimoine lyonnais.